Comment vous présenter l'approche patrimoniale en quelques minutes L'enjeu est, est immense. Euh, nous subissons une évolution préoccupante. L'humanité agit sur le vivant, elle commence à s'en rendre compte, au niveau intime et planétaire. L'homme, en tant qu'être vivant, dans ce milieu naturel, artificiel et humain, qu'est la biosphère, s'inquiète pour sa santé, son alimentation, son habitat, son mode de vie. Sa sécurité, et son développement. De grandes crises contemporaines ne peuvent pas nous laisser dans l'expectative. Il faut agir, mais comment Pour moi, nous sommes devant le défi de la gestion du vivant. Le vivant, c'est quoi C'est ce qui vit, c'est ce qui concourt à la vie, c'est ce qui s'organise pour vivre, c'est ce qui se maintient et s'adapte pour vivre. La gestion, en latin, guerrere, portée sur soi, mener, s'occuper de ses affaires. La gestion effective du vivant, effective, c'est ce qui existe, c'est ce qui se constate dans les faits. La gestion du vivant est au cœur de l'action humaine, de son adaptation, au cœur de nos modes de connaissance et d'action, de nos valeurs, de nos façons d'être et d'agir. L'approche patrimoniale vise la recherche des conditions et des moyens d'une meilleure gestion effective du vivant. D'où vient-elle L'approche patrimoniale est le fruit d'une démarche, d'un questionnement multidisciplinaire autour des sciences du vivant, la biologie et l'écologie, les sciences politiques, les sciences économiques et des pratiques qu'elle concourt à organiser. C'est aussi le fruit d'une recherche-intervention menée au cœur de l'État, de l'État français, pour l'adaptation des politiques publiques de gestion du vivant, notamment de la gestion des espèces, des ressources, des milieux naturels, puis bien au-delà, la gestion des territoires la gestion des crises, l'adaptation des projets complexes, l'adaptation stratégique, l'ingénierie des projets complexes, pardon, l'adaptation stratégique des gestionnaires du vivant et du développement durable. Elle procède aussi de l'écoute, de l'expertise de multiples, des multiples acteurs mobilisés lors de ces interventions, lors de la recherche opérationnelle des conditions et des moyens d'une meilleure gestion de la qualité du vivant du point de vue des gens qui devaient la vivre. Elle s'est appuyée sur des acteurs qui euh, étaient confrontés à des situations ou à des problèmes qui, échappaient, qui échappent à des approches standards de la connaissance et de l'action. Et c'est leur caractère complexe qui a conduit à les qualifier de façon spécifique, d'où une typologie stratégique. des problèmes monoacteurs qui sont considérés comme non complexes sont ceux qu'on vit tous les jours. c'est pas là que s'est développée l'approche patrimoniale. Les problèmes bi ou oligoacteurs... Où quelques acteurs peuvent se réunir autour d'une table, on trouve leur méthode aussi. Par contre, il existe des problèmes intrinsèquement complexes et multi-acteurs qui relèvent de la recherche, des conditions et des moyens d'une gestion négociée de la qualité totale. C'est ceux qui vont faire l'objet de la démarche patrimoniale. D'abord, il y a une crise des grandes approches universalistes, l'écologie, l'économie, la science politique, dans leur application à la gestion de ces problèmes. Si je prends l'exemple de ce qui s'est passé dans la nappe pratique d'Alsace il y a plus de 40 ans, là où l'approche patrimoniale a, a connu ses débuts, euh, une goutte d'eau euh, présentée à 100 Alsaciens tirés au hasard va être perçue tantôt comme une ressource pour les tenants de l'approche économique, comme un milieu de vie pour les tenants de l'approche écologique, comme un objet de gestion sociopolitique pour les tenants de l'approche sociopolitique. En fait, c'est la même goutte d'eau. Et les approches universalistes de la connaissance et de l'action elles promeuvent un certain nombre de dimensions, des univers, des valeurs, des objets, euh, des entités, qui euh, ont leur propre valeur et leur propre logique, mais qui sont euh, de nature totalement différente, qui ne se rencontrent pas, et qui, en fait, ensemble, au lieu de s'enrichir, se, de vont constituer un mode standard de réduction légitime du complexe pour construire des solutions qui iront à tout le monde, mais pas à la situation particulière que nous avons étudiée. Ces approches, elles sont nécessaires, mais elles ne, per mais elles ne permettent pas de s'accorder sur la qualité complète du vivant. En fait, l'enjeu qui, qui est révélé par, euh, par ces problèmes et leur existence réelle, c'est la complexité. La complexité, c'est ce qui fait un, c'est ce qui est tissé entre. La complexité, c'est l'interaction, l'intégration généralisée, c'est l'émergence dans des entités ou des totalités plus ou moins consistant, consistantes. Qui sont caractérisables par des propriétés globales émergentes que nous appelons, que nous appelons des qualités. C'est aussi une influence réelle ou potentielle, multiniveau, de tous les éléments et acteurs en interaction dans une situation complexe. Comment aborder la complexité Un outil nous permet d'avancer pour aborder le complexe. C'est la notion de système, telle que l'a définit Ludwig von Bertalanffy en 1937. Le, le système, c'est un ensemble d'éléments en interaction qui forment un tout d'un point de vue donné la gestion effective de la qualité du vivant va peu, peut s'appuyer sur une conception systémique avec euh, euh, des entités naturelles, artificielles et humaines qui vont former un système qualité au sein desquels vont se déligner des systèmes d'action, des complexes multiacteurs qu'on appellera systèmes d'action, et qui vont se donner des objectifs de gestion de la qualité, des règles pour obtenir cette qualité et des méthodes pour les réactualiser. Mais ce que l'on constate, c'est qu'en fait, euh, cette première approche systémique, telle que l'a perçue Bertalanffy, euh, bloque très rapidement sur sa nature épistémologique. Bertalanffy considère que le système existe en soi. Il procède d'une euh, épistémologie réaliste. Euh, D'autres vont le critiquer très rapidement en disant non le système n'est que dans la tête, n'est pas dans le réel observé, il est dans le réel observant. Et on n'arrive pas à conclure. Eh bien nous, nous, avons, nous allons prendre une autre voie, une épistémologie que j'appellerais systémique et stratégique, c'est-à-dire que le système c'est une adéquation entre le réel observé et le réel observant pour un acteur donné face à un problème donné. Et on aura là la notion de boucle systémique. Et dans un problème complexe et multi-acteur, eh de nombreux acteurs vont interagir, de nombreux problèmes vont interagir, de nombreuses approches vont interagir, et la question c'est quel est le problème des problèmes par lesquels on peut traiter tous les problèmes. Et l'objet de l'approche patrimoniale, ça va d'abord être une question d'intelligence stratégique qui est l'observation de ces boucles systémiques et de leur capacité à se connecter avec une méta-boucle que nous appelons la, la boucle des boucles. La, la, la question qui va être posée, du coup, en termes, si nous revenons à la gestion de la qualité du vivant, c'est qu'il ne s'agit pas d'observer la qualité du vivant euh, tel, comme ça, sans, sans la définir, la qualité intrinsèque du vivant. En fait, nous allons observer la qualité totale du vivant. La qualité totale ou qualité complète, c'est la qualité qui va prendre en compte toutes les dimensions qui sont en jeu. C'est-à-dire, elle sera à la fois qualité intrinsèque du vivant, qualité des relations de chacun des acteurs à cette qualité intrinsèque, et la qualité des relations des acteurs entre eux par rapport à la qualité intrinsèque. L'expérience la... la... montre qu'on y arrive, mais je ne vais pas insister là-dessus. Je vais placer sur un autre plan maintenant, c'est de dire qu'en fait, euh, une autre question est posée, c'est de cette qualité totale, comment se maintient-elle faut-il euh, l'ignorer Elle se dégrade On la laisse dégrader Est-ce qu'il faut euh, euh, gendarmer pour réduire la liberté, pour la protéger Ces deux approches euh, ne sont pas réalistes. Pour moi, euh, première hypothèse, c'est que la qualité se maintient, n'existe que, si que si elle se maintient. Nous exerçons une pression anthropique sur la nature il faut exercer une contre-pression négantropique pour la maintenir. Est-ce qu'on a les moyens Est-ce qu'il existe quelque part les moyens de mobiliser cette contre-pression oui, c'est dans l'espace de la patrimonialité. Nous avons dans tout un tas de notre vie des prises en charge, anthropiques, négantropiques, négant pour maintenir la qualité de la vie qui nous intéresse. La question qui est posée ici, c'est qu'il faut un titulaire adapté et des relations adaptées. Or, nous sommes devant des réalités qui, sont, qui, nous, qui passent de l'intime au planétaire. Et la question qui est posée, c'est de réfléchir à ces titulaires. Il existe, dans l'histoire du droit, trois types de titulaires patrimoniaux. Les titulaires individuels le titulaire collectif et le titulaire commun. Avant d'aborder ces titulaires, je vais d'abord définir cette notion patrimoniale. Le patrimoine, c'est quelque part une autosphère entre nous et le monde, une autosphère qui va de l'intime au planétaire et euh, la, nous pouvons donner une définition systémique du patrimoine. J'en je, donne une, c'est l'ensemble des éléments matériels et immatériels qui est centré sur un titulaire et qui concourt à maintenir son identité et son autonomie par adaptation dans le temps et dans l'espace, un univers évolutif. C'est une définition systémique et stratégique. Systémique, c'est-à-dire qu'elle renvoie à l'ensemble de cette atmosphère, comment un élément rentre dans cette atmosphère et en sort, et stratégique, parce qu'elle sert à des fins. Elle sert à des fins que nous avons beaucoup de difficultés à approfondir, mais que nous observons, c'est des fins stratégiques. Donc, la question qui est posée, c'est quel est le titulaire adapté pour prendre en charge la qualité du vivant la modernité, dans la construction de sa pensée universaliste, scientifique, économique et juridique, va privilégier des objets isolables, stables, et des relations causales si possible, je ne veux pas aller trop loin dans le détail, mais elle conduit en fait à faire en sorte qu'on va privilégier les titulaires appropriatifs, les individus et les collectivités. Et dans cet espace approprié, chacun prend en charge ce qui revient de sa patrimonialité. Or, ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est que le vivant est interactif, il interagit, il est complexe. Et donc, il s'agit de prendre en charge cette complexité en tant que telle, dans la mesure où elle traverse les catégories de la pensée universaliste, elle traverse l'appropriation privée et l'appropriation publique. Et là, nous sommes confrontés à un autre type de titulaire, que j'ai appelé le titulaire commun. Qui est, un, qui est un titulaire, c'est un quasi-titulaire, qui est formé, est qui est formé de, par des acteurs qui sont à la fois micro macro acteurs par rapport au problème à gérer. Ce, ce bien, il surgit par rapport au problème à gérer. Il disparaît car par rapport au problème à gérer, mais quand le problème est à gérer, ce titulaire se, con, se constitue pour le prendre en charge. Donc, euh, la, la, la question qui est posée euh, aujourd'hui, ce sont les processus de titularisation, euh, patrimonialisation de la qualité du vivant. Et pour cela... Euh, nous avons un certain nombre euh, de, de recommandations, notamment euh, des, des langages, euh, des procédures de facilitation, euh, des méthodes de gestion par émergence, et de gestion systémique, stratégique et, et adaptative, euh, des, des modes d'intelligence stratégique et des institutions ou des instances de gestion.